aujourd'hui, tu reçois une bourse de la Fondation de l'Athlète d'Excellence et de Palestre National. Comment tu te sens? Comment t'as réagi quand t'as appris que tu recevais la bourse? Alors, j'étais vraiment heureux. En plus, c'est mon père qui me l'a annoncé et j'étais à l'école. Puis vraiment, j'étais honoré parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me supportent. Et là, une bourse comme ça, à quoi ça va te servir? Oh, moi, ça va servir à aider mes parents aussi, surtout pour que je continue mon sport. Et ouais, financer aussi des vêtements, des affaires comme ça pour mon basket. T'es un joueur de basketball, j'imagine que ça demande beaucoup de temps, des entraînements. Comment tu fais pour concilier les bonnes notes à l'école et le basketball? Ben surtout nous, à notre école, on est à De Mortagne, un sport-études. Fait que dans le fond, on a une période d'études à chaque fois après l'école qu'on finit à midi. Fait que t'es capable d'étudier, être avec tes amis, puis vous aider entre vous. Là. Puis qu'est-ce que t'aimes de ton sport? Ah ben c'est la compétition, c'est vraiment la compétition que j'aime. Quand le jeu est rapide, puis non, c'est vraiment, j'aime vraiment ça ce sport-là. Puis là, est-ce que tu as un rêve, autant au niveau du basketball que peut-être aussi ton après-carrière, un métier pour après le sport? Ben, en basketball, ben, j'aimerais vraiment me rendre au moins à l'université pour faire le March Madness, là, le grand tournoi des universités aux États-Unis. Mais surtout, j'aimerais aussi, ben, après ma carrière, j'aimerais être un avocat. Wow! Ben, félicitations, puis bonne chance dans tout ça! Merci. À vous aussi.